Troisième axe de notre intervention, c'est des prestations sur mesure. Vous voulez construire votre maison au Mali, au Sénégal, aux Comores, nous vous accompagnons. Vous voulez qu'on nous suivons à votre place votre chantier, vous voulez que nous suivions les étapes de la construction de votre maison, vous voulez des plans de construction, vous voulez obtenir les documents de construction, votre permis de construire, votre titre foncier. Bienvenue sur votre nouvelle émission Femmes et Leadership. Femmes et Leadership est une émission consacrée aux femmes entrepreneurs, aux femmes leaders, aux femmes responsables de structures étatiques ou non étatiques, aux femmes présidentes d'associations féminines, à des organisations féminines, des ONG et tout autre secteur, entreprise, structure œuvrant pour la promotion, l'autonomisation et l'épanouissement de la femme en général et de l'enfant en particulier. Aujourd'hui, nous sommes à Bakodji Koroni dans l'atelier AFABA avec la présidente de l'association AFABA. Elle est Madame Maïga Oumessa Maïga. Elle est la présidente de l'association des femmes artisanes de Bakodji Koroni AFABA et la présidente des artisanes de la commune 5, la présidente du CSCOM de Bakodji Koroni. Elle est aussi la présidente du centre de formation professionnelle Badou. Elle est l'animatrice à CD Foyer Amélioré. Bienvenue à vous, madame. Merci beaucoup. Pourriez-vous réagir à cette brève biographie que nous venons de faire? Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de votre présentation. Je m'appelle Madame Maïga Oumessa Maïga, la présidente de l'association des femmes artisanes de Bakodji Koroni, en même temps la présidente du CESCOM de Bakodji Koroni, la présidente des femmes artisanes de la commune 5, membre du réseau en appel qu'on nomme Réoufémé dans le cadre de l'IMOA. En même temps, je suis l'éducative du CD. Le CD, c'est un centre qui regroupe les enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. On les encadre, après l'encadrement, on les forme dans le cadre des activités généralistes de revenus et on les réinsère. En même temps aussi, il y a l'alphabétisation des femmes, un centre d'alphabétisation des femmes ici, avec l'ONG Coup de Pouce. Je vous remercie. Merci bien, Madame Maïga Oumessa Maïga. Depuis 1983, elle a fini les études, elle s'est tournée vers l'artisanat. Et aujourd'hui, vous voyez qu'elle a développé beaucoup de choses dans ce cadre-là et même dans d'autres domaines. Maintenant, nous sommes dans cet atelier et on a hâte de faire une visite de l'atelier. Madame Maïga Oumessa Maïga, nous aimerons savoir, nous voyons beaucoup de machines, beaucoup de matériels ici. À quoi ces matériaux servent? Et puis, ça sert à fabriquer quoi? Ça transforme quoi? Je vois des fils. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer ça? L'activité principale de notre atelier, c'est le tissage, la teinture et même la couture. C'est ça l'activité. Donc, le tissage, on transforme le coton. Uniquement c'est le coton bio. Toute la transformation des fils là, c'est toujours le coton. Donc le tissage commence par le bobinage, on fait des bobines. Après les bobines, on va les porter, comme on va visiter le reste de l'atelier, il y a les porte-bobines là-bas qu'on doit monter là pour faire le tissu. C'est après avoir tout se fait cet étape qu'on est en train de venir ici sur le métier pour tisser. Voici l'ensemble là-bas et on fait rentrer les fils un à un dans les fils ou bien des fois deux ou bien des fois ça dépend du motif du tissu. Et maintenant on arrive à l'étape du tissage qui est ici, qu'il est en train de faire maintenant. C'est ça le tissage. Il y a les teinturières parmi nous. Les fils là qu'on tisse, on les teinte. Il y a la teinturière pour les teinter, pour faire les motifs. On teinte tous ces fils-là. Selon les motifs qu'on veut voir. C'est en ce temps qu'on entre. Ce métier-là, c'est un métier à quatre pédales. On peut même mettre une largeur de 1,20 m. Cela veut dire
2 mètres seulement suffit pour faire la paille. Donc vraiment, on n'a pas les moyens de faire d'abord, sinon c'est ça. Comme on a fait le déplacement pour venir aussi, on n'a pas le temps de monter ça. Sinon, le travail d'ici, c'est une étape. C'est ça qu'on fait. Il y a aussi la transformation. Il y a les femmes qui font la transformation ici. On a même des métiers, des matériels pour faire la tchéké. Mais depuis avec le mouvement là et l'événement de la coronavirus là, tout est arrêté pour le moment. Même le fil là, on n'a pas de fil. On n'a pas de fil, c'est fini depuis que le coronavirus, la comatesse même est fermée. Il n'y a pas de fil, c'est ça notre problème. Nous, on est en train de faire débrouiller pour faire les morceaux de fil pour faire ce commande-là qu'on nous a demandé de faire avant la fête. Maïga, Oumessa Maïga, elle vient vraiment de nous montrer tour à tour les matériaux avec lesquels ils font le travail ici. Maïga, Oumessa Maïga, le nombre de femmes dans votre association artisane et puis comment vous parvenez à l'autonomisation de ces femmes-là? Le travail est organisé en fonction des périodes et des étapes. Maintenant, quand tout cela va finir, la vente, les bénéfices, ça se présente comment? Bon, merci pour votre question. Bon, ici, pour les femmes, pour l'autonomisation de ces femmes-là, notre atelier est divisé en beaucoup de groupes. Il y a l'atelier de tissage, les tisserands à part, les transformatrices à part, les teinturières à part. Il y a les gens qui font même du perle, sont à part. C'est regroupé comme ça. C'est pour cela qu'il y a l'atelier de Badou. Donc chaque activité, il y a une organisation au niveau. Il y a la présidente du groupement, il y a celui qui gère le groupement. Donc je prends l'exemple sur l'atelier de tissage. Quand on tisse, les tisserands là, ils sont payés moyennant le métrage. Les bobineuses, moyennant le nombre de paquets. Un paquet, si tu as fini de bobiner, il y a le prix qu'on te fixe. Donc à la fin après les ventes, chacun, on calcule, on leur donne leur solde. C'est le reste, on va chercher des fils et le reste, on met dans la caisse pour les bénéfices. Donc pour les enfants aussi dont j'ai parlé, les CD-là aussi, ce sont des enfants, après avoir fait le CD, les 3 ans d'éducation, apprendre à lire, à écrire, à faire des calculs, à les apprendre à s'autogérer et les apprendre à prendre la vie courante, la couverture et l'environnement. On les organise en association. On les groupe. Il y a le groupement des tisserands, des teinturières, des coiffeuses et on les donne des matériels à travailler. Et elles s'autofinancent. Cela veut dire que c'est eux-mêmes qui se gèrent. Et en même temps, avec le ministère de l'Éducation, avec les ONG, on les suit. Pour que les financements qu'ils ont ne sera pas à l'eau, pour qu'ils peuvent s'en procurer bien de ces travaux-là, et pour que ça dure. Ça, c'est une très belle expérience et voilà, un bon développement, parce que les enfants sont concernés, apprendre les filles et les garçons à aller vers leur autonomisation à travers le travail. Je pense que c'est un grand développement pour le Mali. Et des personnes comme ça doivent être à féliciter, à encourager. Maintenant, comment l'idée de création de l'association des femmes artisanes de Bakodji-Koroni jusqu'à être présidente des femmes artisanes de la commune 5 vous avez... Je suis très contente de votre question parce que la cause même qui m'a poussée à créer cette association, c'est tout juste quand nous avons fini avec les études, il n'y a pas de travail. Moi, j'ai jugé nécessaire, au lieu de rester les mains croisées, attendre qu'on te donne le prix du savon, qu'on te donne ceci. C'est en ce temps-là que j'ai eu l'idée d'organiser ces femmes-là. Et c'est une association ouverte à toutes les femmes. Il y a les femmes Soraya, les Pelles, les Dogon, les Bambara, toute femme qui veut faire quelque chose. L'association est ouverte. En ce temps-là, on fait des nattes. On a commencé avec des nattes, les nattes, les faits. Les perles. C'est en ce temps-là qu'on a eu le dynamisme de ces femmes-là et on nous a donné les métiers à tisser là. Avec l'union, la coopération française, avec un ONG qui s'appelle AREGDEF.
C'est en ce temps. C'est pour cela que nous sommes éveillés dans ce temps. Et après ça, on a ajouté la teinture, la transformation et tout, tout, tout. Et l'idée aussi de créer le CD aussi, vu ce qu'on est en train de faire, que je suis une femme qui a des études, qui a l'expérience, un homme de l'éducation m'a encouragé de prendre, d'ajouter le CD pour le développement des enfants, pour que les enfants du quartier ne restent pas discriminés, ne restent pas dans les rues baradés comme ça, que les mamans n'ont pas la chance, n'ont pas l'argent pour les amener dans les écoles privées. À Bakodjikron, il y a une seule école pour l'État. Toutes les autres écoles, ce sont des écoles privées. Tout ça, ce sont des gens qui gagnent leur pain au quotidien. Ils n'ont pas le moyen pour payer les privés. Je vous remercie. Merci Madame toujours pour cette vaillante esprit d'avoir accompagné les enfants démunis dans leur démarche à être instruits et à être insérés de façon professionnelle. Pourriez-vous nous présenter les matériels là, un à un? D'accord, il n'y a pas de problème. Pour revenir à votre question, j'ai oublié une autre chose, je vais vous dire. Donc, au sein de l'association aussi, on a une petite caisse. Cette caisse-là, c'est une caisse qui a été constituée par nous-mêmes. Chaque mercredi, on donne 25 000 francs. 125. Les 100 francs-là, c'est pour donner aux femmes en caisse. C'est comme on les donne ça après pour faire des petits besoins. Et les 25, c'est une caisse solidaire. Quand la femme a des problèmes, quand les 25 sont arrivés à 5 000 ou bien même 10 000 francs, on la donne en aide. Et en même temps encore, il y a les femmes veuves au sein de l'association. Ces femmes-là, on les aidait à avoir des aides auprès des ONG. Il y a plus de 30 orphelins qui bénéficient aux côtés de l'ONG Al-Farouk de l'argent. Chaque année, il y a certains qui gagnent 300 000 francs, il y a certains qui gagnent 500 000 francs. Et même cette année, Mr. Wami a donné, aujourd'hui même ils sont en train de faire la distribution des habits pour faire la fête aux orphelins. Il y a aussi ces vents. Bon, pour répondre à votre question, les matériels, ça là, c'est le métier à tisser. Ce métier à tisser a une capacité de 0,70 le mètre de largeur. On gagne les tissus de 0,110. Ça là, c'est pour le bobinage. Le bobinage sert à faire la trame. Le canetage sert à trame, c'est ça. C'est quand c'est que ce sont dans les fermes. C'est le métier qui a la grande capacité. Mais on n'a pas eu la chance de monter ça d'abord. Ça, c'est 1,50 m. La seule largeur suffit pour faire le pain. Et il y a l'autre métier là-bas. Au fond, ça aussi, sa capacité, c'est 0,30. Aussi, c'est les trois bandes qui vont faire la paille. Il y a la paraille ourdissoua, la grande paraille sur laquelle on monte tout pour avoir le tissu. Il y a les machines à coudre des enfants dont je vous parlais, c'est de là, parce que la troisième promotion, il y a des machines à coudre ici. Ils n'ont pas les moyens, l'endroit pour les installer. Donc, ils sont, de temps en temps, ils viennent prendre coudre ici. Okay. Merci pour voilà. Tous ces beaux travaux et tous ces beaux efforts pour le développement social au Mali envers les femmes veuves, les enfants en situation de riz et puis insérer même les femmes au foyer dans un métier qui est le tissage, la teinture, la coiffure et puis la couture. Vraiment, c'est une association qui est à l'œuvre à Faba. Pourrez-vous, voilà, nous faire l'état de votre expérience professionnelle, voilà, du commencement en 1983 après vos études, voilà, le choix de l'artisanat et puis plein d'autres qui sont venus dans votre vie professionnelle. Pourriez-vous nous faire, nous donner votre expérience? Bon, mais l'expérience que j'ai, cette association m'a permis de connaître beaucoup de choses. C'est à cause de ça, ici en commune 5, il n'y a pas de réunion qu'on nous appelle les femmes leaders. Tout le monde nous dit que c'est les femmes leaders. Il n'y a pas de réunion qui se fasse en commune 5 qu'on ne nous appelle pas. Si c'est la santé, l'éducation, même les PDSEC.
Donc nous sommes très impliqués dans le développement de la commune 5 en même temps de Bakou-Djikrouni. C'est pour cela que j'ai eu la chance d'être la présidente du CESCOM de Bakou-Djikrouni. Et même avant ça, avant d'être ça, j'étais relais. On fait des causeries sur l'allaitement maternel avec la Croix-Rouge et Croissant-Rouge du Mali. Donc, j'ai beaucoup de... Donc, pour l'artisanat aussi, on fait des foires, des voyages d'études, des voyages de visite en Afrique du Sud, de Bruxelles. Même la crise du Nord, j'ai été à Bruxelles. Pour, parmi les femmes du Nord, pour la crise du Nord, pour voir la solution qu'on doit faire pour que les rebelles là, qui sont dans le Nord en train de faire ça, s'il y a la solution. On a été, j'ai été avec Fatmata Siré, paix à son nom. Et Fatmata, l'avocate Saran, je ne sais pas, j'ai oublié son nom, ainsi de suite. Bon, pour l'Afrique de l'Ouest aussi, on a été en Afrique du Sud dans le cadre du tissage pour se perfectionner avec et donner nos expériences aux femmes de l'Afrique du Sud. Parce que là-bas, les femmes d'Afrique du Sud souffrent beaucoup plus que nous. Nous, on a beaucoup de choses à dire, mais là-bas, les femmes de l'Afrique nous n'aiment pas ça. Mais maintenant, peut-être ça va. Parce que depuis autant de Maria Markiba. Je vous remercie. Ok, bien. Voilà, une femme dévouée à la cause du développement social et du développement économique de son quartier et de sa commune, qui est la commune 5. Maintenant, votre expérience en tant que présidente du CESCOM. Bon, entre le président du CESCOM, on est là pour gérer le CESCOM. Parce que le CESCOM, là, c'est pour les femmes. C'est la femme qui doit fréquenter le CESCOM. C'est pour cela qu'on m'a pris présente. Parce que pour eux, il faut que le CESCOM soit géré par les femmes. Et en même temps, on cherche des partenaires pour nous aider à développer. Pour nous aider à faire beaucoup de choses et nous donner du matériel pour que le CESCOM soit fonctionnel. Même tout de suite, on est en train de faire le comité de gestion. On est en train de faire les enfants pour voir s'il y a des pertes ou bien s'il y a des avances. Vraiment. Toujours, voilà, dans ces grands rôles, dans ces grands efforts d'aider les femmes, les enfants, Madame Maïga ou Missa Maïga est un exemple du développement social et du développement économique et de l'épanouissement de la femme en général et de l'enfant, voilà, dans tous ces termes. Maintenant, pourriez-vous nous parler des cadres avec tout métier qui sont confortables à côté de ces conforts, il y a, voilà, des difficultés. Qu'en êtes-vous? Bon, les difficultés, notre seule difficulté et le problème du siège. Le problème, sinon il y a du matériel. Là, les femmes sont dévouées parce que les femmes ne vont pas rester dans la maison. Les femmes aiment le travail. Notre lieu de travail seulement qui n'est pas propice. C'est ça nous devons. Cette année, avec le coronavirus, notre difficulté, on n'a pas la matière première. En même temps aussi, il faut que les ONG nous accompagnent. Il faut qu'on pense à nous. Vous avez ce que vous avez fait. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Moi, je ne sais même pas comment vous remercier. Parce que ça, notre image va avoir à cause de vous. À zéro franc, vous nous avez fait ça, que Dieu nous aide. Vraiment, c'est ça qu'on veut. Il faut que la promotion à la femme pense à nous. Je travaille aussi avec la promotion à la femme. Ou bien, ok, mais il faut que nous fassions tout. Il faut qu'on ajoute beaucoup de choses, vraiment. Même l'enfant là, c'est un enfant, il n'a pas sa maman, il n'a pas sa mère. Je l'ai formé il n'y a que 3 ans. 2 mois seulement, 3 mois, il a commencé à travailler, le tisserand là. Il a perdu sa maman, son père, il est orphelin de mère et père. 3 mois seulement, on l'a appris à prendre le tissage, il est voici avec son métier. J'encourage les femmes là, au lieu de rester dans la maison, ceux qui n'ont pas pensé à l'entrepreneuriat là, de venir à nous. Les enfants qui sont toujours dans la rue, de venir. Nous sommes là à nous reporter. On ne demande même pas 1 franc à les former. Toujours très très dévié pour la cause du développement social et du développement économique. Madame Maïga ou Messa Maïga, pourriez-vous nous donner le nombre exact des femmes qui se trouvent dans votre association et le nombre d'enfants que vous avez à former à travers votre centre de formation professionnelle Badou? Merci pour votre question. L'association et le centre. L'association des femmes artisanes de Bakou-Djikrouni comprend 80 femmes
80 femmes et 8 garçons, 8 hommes, les hommes. Ça, c'est les femmes et les hommes. Il y a même des véhicules. Tout de suite, il y a un véhicule, notre chef d'atelier. Donc, les enfants, la première promotion était 35. La deuxième promotion, 25. La troisième promotion, 20. Les enfants formés. À les apprendre à les lire. Même la troisième promotion n'est pas formée encore dans le cadre des pratiques pour faire les métiers, quoi. Ils sont formés seulement, les apprendre à lire parce que ce n'est pas fini. Avec le programme Douma fini cette année. Oui, si nous comprenons bien, au sein de l'association des femmes artisanes de Bako Jikoromi, il regroupe 88 voilà, membres. Et puis pour le centre de formation professionnelle Badou, avec 3 promotions, ils ont eu à former 60 enfants. Apprendre à lire et à écrire et insérer d'autres aussi dans le secteur professionnel. Qu'est-ce que vous direz à une femme qui veut entreprendre aujourd'hui après ses études, étant donné que le marché de l'emploi est de plus en plus compliqué et plus en plus inaccessible? Qu'est-ce que vous avez à encourager les filles qui viennent de terminer leurs études? Ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, les associations ou même dans l'entrepreneuriat. Et puis votre conseil envers toutes les femmes du Mali. Merci. C'est le conseil que j'ai à donner aux enfants, les filles qui vont finir leurs études et les garçons. Moi, c'est cette question-là, je dis ça toujours. Parce que lorsqu'on a quitté le Maroc pour une visite d'échange dans le cadre du même tissage-là, j'ai eu un exemple au Maroc à tout moment dans les réunions, je dis ça. C'est un exemple. Vraiment, il faut que les femmes, les enfants, nos filles-là se lancent dans l'entrepreneuriat. Parce que vraiment, le gouvernement ne peut pas prendre tout en charge. Et c'est l'entrepreneur là qui développe. Quand tu es entrepreneur, tu es autonome de toi-même. On ne te paye pas, c'est toi qui payes tes gens. Au Maroc, il y a une fille, que sa maman est décédée, son père est décédé, a laissé une machine à coudre. Elle s'est lancée dans le cadre du textile. Et son entreprise s'appelle le Petit Poussé. À une distance, je vais dire, c'est même, on peut dire ça quitte ici jusqu'au Sescom. Son entreprise. Il y a la teinture, la couture et la filature. Mais nous aussi, c'est ça qu'on doit faire. Pour développer le Mali, là, il faut qu'on se donne à l'entrepreneuriat. Il faut qu'on se donne à l'entrepreneuriat. C'est ça qui va nous amener. Parce que rester comme ça, là, ça ne sert à rien. C'est l'entrepreneuriat seulement qui peut développer le Mali, qui peut développer nous-mêmes. Ce conseil-là, chaque fois, je donne ça aux enfants. Mais je veux qu'on voit. C'est un cri de cœur pour moi. Il faut qu'on m'écoute. Il faut qu'on s'engage là-dedans. Et même valable aux femmes aussi. Il faut que chaque femme se donne à faire quelque chose. Ça vaut mieux de rester. Cuisiner seulement. La cuisine, on peut faire et on peut faire quelque chose encore. Avec un peu de courage. Je vous remercie. Merci bien à Madame Maïga, Oumessa Maïga. Voilà, nous sommes dans l'atelier AFABA, l'association des femmes artisanes de Bako Jikoromi, et c'est dans le cadre de votre nouvelle émission Femmes et Leadership. Femmes et Leadership est une émission consacrée aux femmes entrepreneurs, aux femmes leaders, aux femmes responsables de structures étatiques et non étatiques, aux femmes présentes d'associations féminines comme Madame Maïga ou Oumessa Maïga, qui nous a accueillis volontiers, voilà, et nous a permis de connaître, voilà, son métier. Elle nous a ouvert la porte de son secteur. Bien merci à elle et merci à vous. Très prochainement. Troisième axe de notre intervention, c'est des prestations sur mesure. Vous voulez construire votre maison au Mali, au Sénégal, aux Comores, nous vous accompagnons. Vous voulez qu'on nous suivons à votre place votre chantier, vous voulez que nous suivions les étapes de la construction de votre maison, vous voulez des plans de construction, vous voulez obtenir les documents de construction, votre permis de construire, votre titre foncier.